cœur. Ça a recommencé. Ils ont recommencé. Le 14 juillet, jour de fête nationale, nous étions censés faire la fête. Et ben la fête, c'est fini. C'est fini en bain de sang. Le 14 juillet à 22h30, si vous le saviez, une attaque terroriste s'est produite à Nice. C'est un salopard seul qui a perpétré cet acte barbare en tuant 84 personnes et en blessant 121 autres. 121 personnes. Comment je peux vous dire? Ça me choque. Rien que de savoir ça, ça me choque et ça m'énerve. Depuis janvier 2015, nous sommes victimes d'attaques terroristes, que ce soit à Paris ou ailleurs. Depuis janvier 2015, c'est des différentes attaques terroristes en France. Depuis janvier 2015, on fait 230 morts. Il serait peut-être temps que ça s'arrête. Il serait temps. Je sais vraiment pas quoi vous dire, si ce n'est que j'ai une forte pensée pour les familles des victimes. Je pense aussi aux blessés. Et franchement, je suis blessé. Je suis blessé, puisque. Enfin, je suis blessé. Je suis blessé dans mon cœur, puisque comme vous le savez, je supporte pas du tout. Je n'ai pas supporté ce qui s'est passé jeudi soir. Alors, il faudrait faire quelque chose, il faudrait que nos hommes politiques fassent quelque chose pour que ça s'arrête. En tout cas, je suis de tout cœur avec les familles des victimes, avec les blessés, je pense à eux. Toutes mes sincères condoléances aux familles des personnes décédées. Nous ne nous laisserons pas faire, nous allons prouver à ces fils d'eux, qu'on est plus fort qu'eux et qu'on va les bousiller. C'est vrai que c'est encore 48 heures après, c'est encore assez compliqué d'accepter ce qui s'est passé. Mais nous n'allons pas nous laisser faire. Et je sais qu'on va gagner. À vous, amis niçois. Je suis de tout cœur avec vous. Vous allez vous en sortir. La France est avec vous. Tout le peuple français est avec vous et pense à vous. Et vous allez vous en remettre. Vive Nice et vive la France.